professeur est à la maison? C'est pour la leçon. Oui, madame. Entrez, asseyez-vous à l'instant, je vais le prévenir. Merci, madame. Monsieur! Monsieur, descendez, s'il vous plaît, votre élève est arrivée, elle vous attend, hein? Merci! Je descends! Dans 2 minutes! C'est vous? C'est bien vous, n'est-ce pas? La nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Voyez, je suis venue à l'heure, j'ai pas pu être en retard. C'est très bien, mademoiselle. Mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement de... N'est-ce pas? Mes excuses, vous m'excuserez. Non, il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Oh! Mes excuses? Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Et puis j'ai demandé, tout le monde vous connaît ici. Oui, il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas plus longtemps. Comment la trouvez-vous? Oh, et elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un beau parc, un pensionnat, un évêque, de beaux magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part, à Paris. Ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors vous connaissez Paris? Non plus. Mais dites-moi, mademoiselle, si vous voulez bien me permettre, pourriez-vous me dire Paris, c'est le chef-lieu de... Mademoiselle? Paris, c'est le chef-lieu de la France. Mais oui, mademoiselle. Très bien répondu, bravo. C'est excellent. Oh, je vous félicite chaleureusement. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Vos chefs-lieux. Oh, mais je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Oh, vous verrez. Ça viendra. Du courage. Oh non, je m'excuse. De la patience. Doucement, doucement, vous verrez. Vous verrez. Ça viendra. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oh, plutôt pas tellement. Oh, si, quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c'est le principal. Il ne pleut pas. Il ne neige pas non plus. Oh, ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Je m'excuse, mademoiselle, mais j'allais vous le dire. Mais vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout. Certainement, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe en hiver. L'hiver, c'est une des 4 saisons. Les 3 autres sont le printemps, oui. Et puis l'été, et... Ça commence comme automobile, mademoiselle. Ah oui, l'automne. Mais oui, mademoiselle, bravo. Oh, je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Oh, vous me paraissez instruite, vous êtes intelligente. Bonne mémoire. Je connais mes saisons. Mais... Ah, monsieur. Oui, mademoiselle, mais oui. Enfin, presque. Mais vous verrez, ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous arriverez à les connaître, toutes vos saisons, les yeux fermés, comme moi. C'est difficile. Oh non, mademoiselle. Il suffit d'un petit effort. De la bonne volonté, vous verrez. Ça viendra, soyez-en sûr. Oh, je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire, hein. La vie contemporaine est devenue très complexe. Tellement compliquée. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler et à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter? Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat, c'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question? Oui, monsieur, j'ai mon bachot aux sciences et mon bachot. Oh, mais vous êtes très avancée, même trop avancée pour votre âge. Et quel doctorat voulez-vous passer? Sciences matérielles ou philosophie normale?
Mes parents voudraient bien, si vous pensez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je passe mon doctorat total. Le doctorat total? Oh, mademoiselle, vous avez beaucoup de courage. Je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons, mademoiselle, de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà assez savante à un si jeune âge. Oh, monsieur. Oh. Donc, mademoiselle, mes excuses, je vous dirai qu'il faut se mettre au travail. Nous n'avons qu'un peu de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien, et même je vous en prie. Ah bon? Puis-je donc vous demander, mademoiselle, si cela ne vous dérange pas, mes excuses, de vous asseoir là. Et n'voyez pas l'inconvénient, si vous me permettez, de m'asseoir là, en face de vous. Mais certainement, monsieur, allez-y. Merci bien, mademoiselle. Voilà. Bien, vous avez vos livres, vos cahiers? Oui, monsieur, bien sûr, j'ai là tout ce qu'il faut. Oh, c'est parfait. Oh, parfait. Alors, mademoiselle, pouvez-vous commencer? Oui, certainement, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition? Mademoiselle, c'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Alors, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, afin d'en dégager les voies futures. Dites-moi, mademoiselle, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Dites-moi, mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique? Certainement, monsieur, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle, c'est une science moderne. À proprement parler, c'est plutôt une méthode qu'une science. C'est également une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Monsieur, j'ai trouvé l'assiette où je m'en vais. Allez à votre cuisine, allez. J'y vais, monsieur. Alors, excusez-moi, monsieur. Vous devriez faire attention avec mademoiselle. Moi, je vous recommande de le calmer. Vous êtes ridicule, Marie. Voyons, ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'avais pas vos insinuations. Oh, je sais parfaitement comment conduire. Je suis assez vieux pour cela. Monsieur, justement, vous ne devriez pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Mais plus à mon âge! Eh bien, de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire et je la connais. Votre place n'est pas ici. Eh bien, c'est comme monsieur veut. Marie! Je n'ai que faire de vos conseils. Eh bien. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette interruption. Excusez cette femme. Elle a toujours peur que je me fatigue. Elle craint pour ma santé. Oh, ce n'est rien, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. Ouais. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère. Sa peur est stupide. Bon, revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise. Comme vous, monsieur. Bon, arithmétisons un peu. Oui, très volontiers. Cela ne vous plaît-il pas de me dire? Non, du tout, monsieur, allez-y. Et combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Oh, mais très bien répondu! Oh, vous me paraissez très avancé dans vos études! Oh, je suis convaincu que vous aurez très facilement votre doctorat total! Moi, je suis bien contente, d'autant plus que c'est vous qui le dites! Je vous sens plus loin. Combien font 2 et 1? 3. 3 et 1. 4. 4 et 1. 5. 5 et 1. 6. 6 et 1. 7. 7 et 1. 8. Oh, parfait! 7 et 1. 8 bis. Très bien répondu! 7 et 1. 8 terres. Parfait! Excellent! 7 et 1. 8 quaternaires et parfois 9. Oh, magnifique! Oh, vous êtes magnifique! Mademoiselle, vous êtes exquise! Oh, ce n'est pas la peine de continuer pour l'addition! Oh, vous êtes magistrale! Ouh, passons à la soustraction. Dites-moi seulement, mais pas trop diffusé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3? 4 moins 3? Oui, je veux dire retirer 3 de 4. Ça fait 7! Ah non, vous m'excusez, mademoiselle. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. Mais 4 moins 3, elles ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Oui. Alors, 4 moins 3 font combien? Combien? 4! Non, mademoiselle. Non, ça ne fait pas ça. 3 alors. Je m'excuse, mademoiselle. Pardon, je dois le dire. Ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3, 4 moins 3,
4 moins 3 ? Mais ça ne fait tout de même pas 10 ! Oh, mais certainement pas ! Mais mademoiselle, il ne s'agit pas de deviner ! Il faut raisonner ! Tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter ? Oui, monsieur. 1, 2... Vous savez bien compter ! Jusqu'à combien savez-vous compter ? Oh, je puis compter à l'infini ! Ce n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 7. Cela suffira. Il faut savoir se limiter. Alors comptez, s'il vous plaît, mademoiselle, je vous en prie. 1, 2, et puis après 2. Il y a 3, 4... Arrêtez-vous là. Quel nombre est le plus grand ? Le nombre 3 ou 4 ? 3 ou 4, lequel est le plus grand ? Le plus grand de 3 ou 4 ? Dans quel sens le plus grand ? Mais il y a des nombres plus petits et des nombres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits nombres ? À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. Il s'agit de compter. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres ? Oh, mais laissons cela pour le moment. Ça nous mènerait beaucoup trop loin. Mais mademoiselle, sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, des groupes, il y a des sommes, il y a des tas de choses telles que les prunes, les wagons, les oies, les pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons affaire qu'à des nombres égaux. Et les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Ah, mais non, cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'allez pas vous inquiéter de cela. Prenons notre raison, raisonnons sur le cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Vous avez donc le nombre 4 et le nombre 3, avec à chaque fois un nombre toujours égal d'unité. Quel nombre sera le plus grand ? Le plus petit ou le plus grand ? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre ? C'est cela, mademoiselle, vous m'avez bien compris. Alors c'est 4. Qu'est-ce qu'il est, le 4 ? Plus grand ou plus petit que 3 ? Plus petit. Non, plus grand ! Ouf ! Excellent, excellent. Combien y a-t-il d'unités de 3 à 4 ? Ou de 4 à 3, si vous préférez. Mais il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3, il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Vous m'avez mal compris. Voici 3 allumettes. Et en voici encore une. Ça fait 4 allumettes, oui. J'en retire une. Combien en reste-t-il ? 5. Puisque 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça du tout ! Mais vous avez toujours tendance à additionner ! Mais il faut soustraire aussi ! Il ne faut pas seulement intégrer ! Il faut désintégrer ! C'est ça la vie ! C'est ça la philosophie ! C'est ça la science ! C'est ça le progrès ! La civilisation ! Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. Vous en avez donc 4. Vous voyez, elles sont bien 4. J'en retire une. Combien en reste-t-il ? Je ne sais pas, monsieur. Voyons, mademoiselle. Ce n'est pas très facile, je l'admets. Mais vous êtes suffisamment intelligente pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors ? Prenons un autre exemple. Supposons que vous avez donné et que je vous en aurais arraché un. Combien en resterait-il ? Aucun. Comment aucun ? Bah oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposons que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui, après. Voilà, j'en rajoute une. Combien en auriez-vous ? Deux. J'en ajoute encore une. Combien en auriez-vous ? Trois oreilles. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il ? Deux. Bon. J'en retire une. Encore une. Combien en reste-t-il ? Deux. Non, mademoiselle. J'en prends une. J'en mange une. Combien en reste-t-il ? Deux. J'en mange une. Une. Deux. Une. Deux. L'exemple n'est pas convaincant.
Écoutez-moi, mademoiselle. Vous avez... 10 doigts. Parfait, vous avez donc 10 doigts. Combien en auriez-vous si vous n'en aviez que 5? 10, monsieur. Non, mademoiselle. Mais pourquoi, monsieur? Parce que... Mais et vous venez de me dire que j'en ai 10. Et je vous ai dit tout de suite après que vous n'en aviez que 5. Je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Pensez donc autrement. Remettons-nous au nombre de pas à 5 pour la soustraction. Tenez, mademoiselle, je vais vous faire comprendre. Regardez. Oui, mademoiselle. Ce sont des bâtons. Là, c'est un bâton. Puis 2 bâtons. Puis 3 bâtons. Puis 4. Et puis 5 bâtons. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Puis 4. Et 5 bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte les bâtons, chaque bâton est une unité. Mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres, ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur, des éléments qui sont des chiffres, des bâtons, des unités et des nombres. À la fois, c'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur, merci, monsieur. Alors, comptez, s'il vous plaît, en vous servant de ces éléments. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Si l'on peut dire, et alors? On peut soustraire 2 unités de 3 unités. Mais peut-on soustraire 2 de 3 et 2 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Mais pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Mais parce que quoi? Puisque les uns sont bien les autres. Il en est ainsi. Ça ne s'explique pas. Ça se comprend par un raisonnement mathématique intuitif. On l'a ou on ne l'a pas. Oh, bah, tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces grands principes, ces archétypes arithmétiques, alors jamais vous pourrez faire correctement le travail d'un polytechnicien. Encore moins ne pourra-t-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique, ni même à la maternelle supérieure. Écoutez, mademoiselle, je reconnais que ce n'est pas très facile, c'est très, très abstrait. Mais comment pourriez-vous arriver, avant d'avoir bien approfondi les éléments premiers, à calculer mentalement combien font, et cela la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font par exemple 3,755,298,251 multiplié par 5,162,303,508? Ça fait 19,390,000,000,000 de trillions, 844,219,164,508. Ah non, 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 je ne pense pas, ça doit faire 19,390,000,000,000 de trillions, 844,219,164,509. Ah non, 508. Produit bien. Hein? Quartillon, quadrillon, trillion, milliard, million, 164,508. Mais comment le savez-vous? Si vous ne connaissez pas les grands principes du raisonnement arithmétique. C'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Ah, cela est assez fort, hein? Mais vous me permettrez de vous avouer que cela ne me satisfait pas. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. En arithmétique, hein, ce qui compte, car en arithmétique, il faut toujours compter, ce qui compte, c'est de comprendre. C'est par un raisonnement mathématique inductif et déductif à la fois que vous auriez dû parvenir à trouver ce résultat. Ainsi que tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire. Excellente, par ailleurs. Mais néfaste, arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content. Ça ne va pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Ah, je crains que vous puissiez vous préparer pour le concours du doctorat total. Oui, monsieur, dommage. Ah, moi, que si vous... Mais lâchez-moi, Marie, voyons. À votre cuisine, à votre vaisselle, allez, allez, allez. Nous tâcherons, mademoiselle, au moins de vous préparer pour le concours du doctorat partiel. Oui, monsieur. Je dois donc vous apprendre... Mais lâchez-moi, Marie! Qu'est-ce que cela signifie?
Je dois donc vous enseigner les éléments de la philologie comparée non, et de la linguistique. Non, non, monsieur, non, il ne faut pas, il ne faut pas. Marie, vous êtes un génie. Monsieur, pas de philologie, la philologie mène au pire, au pire. Pire, oh, voilà une histoire. C'est trop fort, sortez. Non, monsieur, monsieur. Ah, je sors, je sors. Marie, vous exagérez, sortez. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti cette je fois. Suis majeur, Marie. Mais monsieur, c'est comme monsieur veut, c'est comme monsieur veut. Continuons, mademoiselle. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Levez devant, vous priez. Écoutez avec la plus grande attention, mademoiselle. Mon cours ici, tout préparé. Oh oui, monsieur. Grâce auquel vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oh oui, monsieur. Silence. Mademoiselle, je veux dire cela. Ainsi donc. L'espagnol. Eh bien, la langue mère de toutes les langues néo-espagnoles, telles que le latin, le roumain, l'espagnol, le sarde, le portugais, le néo-espagnol, ainsi que, pour certains de ses aspects, le turc, lui-même plus rapproché du grec, ce qui est tout à fait logique, puisque la Grèce est voisine de la Turquie, et la Turquie est plus proche de la Grèce que vous et moi. Ceci, mademoiselle, est une illustration de plus d'une règle très importante selon laquelle philologie et géographie sont sœurs jumelles. Mais vous pouvez prendre des notes, mademoiselle, hein? Oh oui, monsieur. Je continue. Ce qui distingue ces langues entre elles, ces langues de l'espagnol entre elles, des autres groupes linguistiques, tels que le groupe des langues autrichiennes, néo-autrichiennes ou habsbourgiques, ainsi bien que des langues espérantistes, monégasques, suisses, helvétiques, basques, pelotes, ainsi encore que des langues diplomatiques et tectoniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer. Je parle ici des langues néo-espagnoles entre elles, mademoiselle, que l'on peut cependant distinguer grâce à leurs traits distinctifs. Preuve indiscutable de leur extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine, et qui, en parallèle, les différencie par le maintien des traits distinctifs, mademoiselle, dont je viens de parler. Oui, monsieur. Mais ne nous attardons pas dans les généralités, hein. Oh, monsieur. Oh, ça a l'air de vous plaire. Oh, oui, monsieur. Tant mieux. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous y reviendrons de toute façon plus tard. Ah non. Non, à moins que ce ne soit plus du tout. Tu pourrais le dire après. Oh, oui, monsieur. Toute langue, mademoiselle. Mademoiselle, sachez-le. Et souvenez-vous-en, jusqu'à l'heure de votre mort, mademoiselle. Oh, oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Et ceci, est encore un principe fondamental de la philologie linguistique. Toute langue n'est en somme qu'un langage. Ce qui implique qu'elle se compose de sons ou de... phonèmes. C'est des phonèmes. Oui, c'est cela. Mais j'allais vous le dire aussi, hein. N'interrompez pas. Restez tranquille. Ainsi, les mots doivent être saisis au vol, par les ailes. Pour ne pas, mademoiselle, qu'ils tombent dans les oreilles. Les sourds. Sachez-le, mademoiselle. Ainsi, pour les prendre au vol, il faut. Regardez, pour articuler, si vous décidez comme ça d'articuler, il faut lever très haut le cou, très haut, très haut.
et le menton. Et je vous ai levé sur la pointe des pieds, comme ceci. Regardez. Comme ceci, monsieur. Non, non, taisez-vous. Restez ainsi, n'interrompez pas. Et d'émettre les sons avec toute la force de vos poumons, associés à vos cordes vocales, comme ceci. Regardez, regardez. Papillon. Arica. Trafalgar. Papi. Papa. Ainsi les sons, remplis d'air chaud, plus léger que l'air environnant, ne risqueront pas, en s'élevant dans les airs, de tomber dans les oreilles des sourds. Je vous ai parlé des sourds. Ces sourds, ce sont des gouffres, mademoiselle. Ce sont les tombeaux des sonorités. Si vous admettez les sons à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns les autres pour former des syllabes, des mots, à la rigueur des phrases. Des phrases, c'est-à-dire des groupes plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons qui, dénués de tout sens, seront cela capables de s'élever très haut. Très haut, écoutez, ce haut, dans les airs. Ils ne pourront pas tomber dans les oreilles des sourds. Seuls tombent les mots chargés de sens, alourdis par leur signification, qui finissent toujours par s'écrouler, par succomber. Dans les oreilles des sourds. Oui, oui, c'est cela. Mais je vous dis, ne m'interrompez pas. Et dans la pire confusion en plus. Ou alors pareil, éclater comme des ballons. Ainsi donc, mademoiselle. Mademoiselle, qu'êtes-vous donc là? J'ai mal aux dents, monsieur. Vous avez mal aux dents? Mais ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas tous nous arrêter là pour si peu de choses. Allons-y, continuons. Oui, monsieur, bien, monsieur. J'attire votre attention sur les consonnes qui changent de nature en liaison. Ainsi, en ce cas, les F deviennent des V, les DDT, les GDK et vice-versa. Comme l'exemple que je vous signale, 3 heures, les enfants, le coq au vin, l'âge nouveau, voici la nuit. J'ai mal aux dents. Continuons. Et résumons. Pour apprendre à prononcer, mademoiselle, il faut des années, et des années, et des années. C'est très long. Grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Il vous suffit alors de faire échapper impitoyablement l'air de vos poumons en le faisant remonter, comme ceci, le long des cordes vocales qui, comme des harpes ou des feuillages, frémissent sous le vent. Ils vibrent, ils grasseillent ou ils se froissent, ils chuintent, mettant tout en mouvement. Luette, gorge, palais, dents. J'ai mal aux dents. Lèvres. Finalement, mademoiselle, les mots sortent par la bouche. Ils sortent par les oreilles, ils sortent par le nez, ils sortent par les pores. Ils sortent partout, mademoiselle, ces mots. Ce qu'il faut, c'est finalement les entraîner avec vous. C'est-à-dire entraîner tous les organes que nous avons nommés dans un orage puissant, majestueux, qui entraîne avec tout un cortège des gerbes de fleurs des plus variées, d'artifices sonores dentales, labiales, occlusives, palatales et autres. Tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Mal au temps. Tantôt langue néo-espagnole, mademoiselle. Elles sont si rapprochées les unes des autres que l'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Mais elles le sont d'ailleurs, puisqu'elles ont la même mère. C'est pour ça qu'il est si difficile de les distinguer. C'est pourquoi il est aussi utile, mademoiselle, de bien prononcer, d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation, mademoiselle, la prononciation vaut tout un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. J'aimerais au passage vous faire part d'un sentiment personnel. C'est beau, les sourds. J'étais tout jeune, encore presque un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade, vicomte.
qui avait, bon, un défaut de... Un défaut de prononciation. Oh, c'est cocasse. Ah, mademoiselle, il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Qu'est-ce qu'on a ri au régiment? Ah si. Oh, je vais pas y arriver. Au lieu de F. Il disait F. Au lieu de Fontaine. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il disait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, faillot au lieu de faillot, fatra au lieu de fatra, fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix, fifi, fonfon, papa au lieu de fifi, fonfon, papa, Philippe au lieu de Philippe, victoire au lieu de victoire, février, février au lieu de février, mars-avril au lieu de mars-avril, Gérard de Nerval, et non pas mademoiselle, comme cela est correct, mademoiselle, Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc. au lieu d'etc., et ainsi de suite au lieu d'ainsi de suite, etc. Seulement, tout son génie, il a rêvé si bien à cacher ce terrible défaut, quand même, dans sa déchappement, que l'on ne s'en apercevait pas. Mais laissez donc vos dents. J'ai mal aux dents, monsieur. Je vois bien, mademoiselle. Essayons autre chose. Ah oui, comment dites-vous en français? Je vais vous donner cet exemple au tableau. Comment dites-vous en français? Traduisez. Les roses. Bon, c'est sommaire. De ma grand-mère sont aussi jaunes. Jaune. Jaune, c'est une craie blanche sur un tableau noir. Jaune. Que mon grand-père, qui était asiatique, donc. Traduisez cela en français. Pas longtemps. Non, mais continuons. Mademoiselle, continuons. Dites quand même, allez-y. En français? Oui, en français. Les roses de ma... Comment dit ton grand-mère en français? Mais mademoiselle, grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. Jaune en français, ça se dit bien jaune. Mais oui, évidemment, jaune, oui, jaune. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était en colère. Non, mademoiselle, quand même. Qui était à... Asiatique, j'ai mal. Aux dents, tant pis, continuons. Je vais, vous allez, traduisez cette phrase maintenant en espagnol, puis en néo-espagnol. Allez, écoutez chez vous. En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Alors en néo-espagnol... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père est asiatique. Mademoiselle, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Arrêtez, faux. Vous avez fait l'enfer, ce voyons. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et l'espagnol pour de l'espagnol. Oh non, mademoiselle, c'est le contraire. Vous embrouillez, monsieur. Mais c'est vous qui m'embrouillez. Restez tranquille, prenez des notes, allez. Et soyez attentive. Bon, je vais vous donner la phrase. En espagnol, puis en espagnol, et enfin en latin. Vous répéterez après moi, d'accord? Attention. Attention, car les ressemblances sont grandes. Ce sont des ressemblances, mademoiselle, qui sont identiques. Écoutez, suivez bien. Alors traduisez maintenant cela en roumain. En roumain? Allez, en roumain. Les... Comment dit en rose en roumain? Mais rose, voyons, rose. Je croyais que c'était rose. Mais oui, puisque rose est la traduction du mot français, rose en sardanapale, rose en italien, rose, vous saisissez, rose. J'ai mal aux dents, monsieur. Je vais tâcher de vous donner une clé. J'ai mal aux dents. Ce qui différencie ces mots, ce n'est ni la structure de la phrase, qui est toujours la même, ni la langue, qui ne change pas, ni l'intonation, qui ne présente pas de différence. Ni le rythme du langage. Ce qui différencie ces langues. Mademoiselle, écoutez-vous! Mademoiselle, si vous ne m'écoutez pas, nous allons nous mettre en colère! Vous m'embêtez, monsieur, j'ai
Oh, non, un calice, un barbe, écoutez-moi. Oui, Alexis. Prenons un autre exemple. L'expression néo-espagnol, écoutez-moi, célèbre à Madrid, ma patrie est la néo-Espagne. Donne en italien, ma patrie est... La néo-Espagne. Non, ma patrie est l'Italie. Alors dites-moi maintenant, par simple déduction, comment dites-vous Italie en français? Mal, autant. Mais pour le mot Italie, c'est pourtant bien simple. En français, nous avons le mot France. Et c'est pareil en portugais et en oriental. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, donne en portugais, ma patrie est le Portugal. Et ainsi de suite. J'ai mal. Oh, don. Pas d'insolence, mignonne, ou gare à toi. Le comble, mademoiselle, c'est que des gens qui s'expriment en latin, croyant que c'est de l'espagnol, se mettent alors à dire dans la rue, comme ça, « Messieurs, je souffre de mes deux fois la foi. » En s'exprimant à un Français qui, lui, n'a aucune base d'espagnol, mais qui comprend la phrase comme si c'était sa propre langue. D'ailleurs, mademoiselle, il croit que c'est sa propre langue. Et le Français, donc le Français qui vient de comprendre, répondra en français, « Écoutez, monsieur, moi aussi, je souffre de mes fois. » Et se fera parfaitement comprendre l'espagnol, qui lui croira que c'est en pur espagnol qu'on lui a répondu, et que, dans cette phrase, on parle espagnol. Quand, en réalité, on ne parle ni le français ni l'espagnol. Mais bien, mademoiselle, mais bien le latin à la sardanapale. Vous m'entendez? Tenez-vous tranquille. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos pieds, là? Arrêtez de taper! J'ai la tête comme un gros chat. Comment se fait-il que des gens dénués complètement d'instruction parlent quand même ces langues? Ah ben, je me le demande. Écoutez, c'est une curiosité, un non-sens, une bizarrerie de la nature humaine, de l'instinct, c'est ça. Mademoiselle, c'est ça, je viens de dire, c'est l'instinct pour tout dire en un mot. C'est lui qui joue ici l'instinct. Ah. Au lieu de regarder voler les mouches là, elles sont rouges. Non, sérieusement. Tandis que je me donne tout ce putain de mal depuis le début du cours à vous faire cette leçon, vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentif quand même. Je vous écoute. Oui, c'est ça, je vous écoute. Je vois bien, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui passe mon concours du doctorat partiel à la fin de l'année. Moi, je m'en fous. Moi, je l'ai déjà eu, et il y a longtemps. Et même mon doctorat super total. Mademoiselle, vous comprenez pas encore. Vous comprenez pas que depuis le début de cette leçon, je ne veux que votre bien. Mais j'ai mal aux dents. M'allez vite, tiens. Bon, pour apprendre à différencier ces langues, je vous ai dit, il n'y a pas de secret, il faut de la pratique. Eh bien, procédons par ordre. Je vais vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. Elle a l'air charmée. Marie! Marie, où êtes-vous? Marie! Marie, venez donc! Marie, mais que je vous appelle! Marie, eh bien, il faut venir, c'est comme ça! Marie! Mais oui, Marie! Vous comprenez pas encore que c'est moi qui décide ici? Regardez-la, celle-là! Regardez cette tête! Elle ne comprend rien! Elle ne comprend pas ce que je lui dis! Il ne faut pas se mettre dans ces états. Gare à l'affaire, ça vous mènera loin encore, tout ça, ça va vous mener loin. Oui, c'est ça. Je saurais m'arrêter à temps quand même. On le dit toujours, je voudrais bien voir ça, moi, hein. J'ai mal aux dents. Vous voyez,
Monsieur, mais monsieur, ça commence. C'est le symptôme. Le symptôme? Quel symptôme, Marie? De quoi parlez-vous? Expliquez-vous, oui, dites-lui. Mais vous voyez pas? C'est le symptôme final, le grand symptôme, juste sous vos yeux, là. Sottise, 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 et comprends. Marie, mais ne partez pas. Je vous appelais pour aller me chercher les couteaux. Les couteaux, mais espagnol, espagnol, latin, portugais, suisse, monégasque, espagnol, et espagnol, et encore espagnol. Ne comptez pas sur moi, monsieur, ne comptez pas sur moi, hein. Qu'est-ce que c'est que cette question idiote? Je vous dis, dites couteau, allez-y! Attends, j'en ai assez, j'ai mal partout, j'ai mal au temps, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds! Couteau, arrêtez! Couteau, arrêtez, j'ai mal aux oreilles! Mais pas trop froid, mais quelle voix irritante! Je fais mal partout, j'ai mal aux oreilles! Mais je vais te arracher, moi, tes oreilles, ma mignonne! Mais t'en feras plus mal, hein! Allez-y, dites couteau! C'est bon, tu fais de mal, arrêtez! C'est bien, regardez, répétez, répétez. Couteau, 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 couteau. Allez-y, suivez-le, suivez-le, suivez-le. Couteau, 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 couteau. Mes cuisses. Allez-y,
mademoiselle. Mademoiselle, écoutez-moi. Mademoiselle. Allez. Allez, mademoiselle. Les leçons sont terminées. J'en ai fini. Allez, mademoiselle, j'en ai fini avec vous. Allez, venez. On y va. Allez, mademoiselle. Mademoiselle. Je vous ai dit que vous pouviez partir. Mademoiselle, ne vous paierez une autre fois. Ne faites pas ce que j'ai. Mademoiselle. Ils sont habitués, ils n'y verront que du feu. Mais quand même, Marie, quand même. Bon, vous savez quoi?
Si vous avez peur pour vous, attendez, mettez ceci, vous n'aurez rien à craindre. Allez, allez, moi t'as mis. Alors ça, c'est purement politique. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Ah, je suis rassurée, Nathalie. Ça y est, mon petit. Ah oui, ça y est. Ah, allez, on va la mener. Oh, Marie, ça fait du bien. Ah oui, attention. Moi, je lui prends là parce que. Ne lui fais quand même pas trop de mal. Hein. Qu'est-ce qu'il est lourd, Marie? Ça sent la mauvaise élève. Hein. Entrez, mademoiselle. Entrez.